C'est ça, alors, Jean-Sébastien. Justement, bon. on reste dans ces forêts avec toi. Hein. Oui, c'est vrai que j'aurais pu vous parler de la plus belle forêt du monde, qui est la forêt des Vosges. Des Vosges, bah voyons. Mais après, on m'aurait dit, je suis trop chauvin, donc je vous emmène dans la forêt de Haguenau. Haguenau, c'est une des forêts les plus étendues de France, 21 000 hectares. Imaginez qu'au Moyen-Âge, cette forêt, elle en faisait 60 000. C'est un patrimoine sylvicole absolument incomparable. Et c'est une véritable césure au sein de la plaine d'Alsace. C'est pour ça qu'on l'appelle l'outre-forêt. C'est également la première forêt française de type continental, avec des pins, avec des chênes, avec des hêtres. Et c'est vraiment une forêt qui a été de tout temps chérie et bénie, parce que les Hollandais s'en sont servis pour construire leurs navires. C'est Colbert qui a mis fin à cette déforestation massive et qui a sauvé la forêt de Haguenau. Et puis les ermites s'y sont perdus, s'y sont installés, et elle est devenue la sainte forêt de Haguenau.